Passe pas à poil. Et descend, tête de con. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kyotve a fondu comme neige au soleil. C'est ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Qu'Eivor puisse défier Kyotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Kyotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kyotve. Bien dit, mon scald de guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Vasim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains ? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyotve s'étend si loin de la Norvège ? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ce qu'on ne voit pas. Mais Kyotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kyotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord.
Oui, ça va. Que le sang coule. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de fer. Oula. Allez vite. Ouais, t'as pas un moment, hein. Ah, ça va, et toi? Debout, Eivor. Ce n'est pas le jour de ta mort. Pourquoi refuses-tu de mourir? Nous ne sommes pas seuls, Kyotve. Le père de toutes choses nous regarde. Ah, d'accord. Ma lame va boire ton sang. De sang. Je sens que j'avais pas joué depuis longtemps aussi. Ah d'accord. Donc qu'est-ce qui devient Myla? Debout, Eivor. Éveille-toi. Quoi? Quoi d'homme depuis? Non, pas grand-chose. Que veux-tu de moi? On te voit. Ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Tu peux les crêpes? Quoi, c'est tout? Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de trois générations entières. Tout ça pour rien. Mon clan ne sera pas oublié! Je combattu ainsi, avec tant de vigueur. Ah, il est beau. Il est sur PS4, il est pas mal. Je crois que c'est PS5 et PC Ultra Boost. Je crois qu'il est mort, votre famille Arok. Ton père est mort, Gorm. Sa dette est payée. Peut-être pas. Ouvrez les portes et vous serez épargnés.
Trêve, ami des loups. Moi, j'ai commencé à peine. Archer, encocher. J'ai que 2 heures de jeu. J'aimerais bien pouvoir monter, Kono. Oh mais ça va, il est sympa hein. Quel colonne tu joues? Pas de gamaton, tu vois? Non mais c'est pas fort mais... Là, je vais prendre le nouveau Call of. Tu prends la PS5.
Tu as commandé ? Le premier ou le deuxième ? Ah, il y a un truc à prendre. Comment tu prends une play ? Ouais, bah tu vas être comme moi, tu vas attendre au moins jusqu'à avril, je sens. Bizarre. Bon, évidemment, elle était plus garantie, je parie. Bonne journée à toi, Mister, t'attends ça. De la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm, faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. L'âge de Gorm s'enfuit. Par deux fois, son père meurt aujourd'hui. Eivor, nous avons la victoire! Laisse partir ce lâche! Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ce lâche. Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harad. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjafik. Louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Outhorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté. Et te réservera une place d'honneur à Santin d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne.
Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Thing de Harald. Je sais, Sidi. Une autre fois. Combien tu l'avais payé le boîtier? Tu dors? Oui, tu dors. L'IPTV. Le boîtier. Fabrice. Oui, non. Non, parce que quelqu'un veut lui vendre 80 euros. Mais s'il a une télé connectée, il peut pas le prendre directement en télé connectée. Et il paye. On l'avait pris où déjà le truc? Oh, Algerino, ça va et toi? Ah, je suis au passage de ça, mais...
Tu trouves ? Le boîtier ? Il y a un mec qui lui fait 80€ le boîtier de 12 mois. 80€ le boîtier et l'abonnement de 12 mois. Tu veux voir le boîtier, nous ? On a comment il s'appelle ? Je crois que c'est le même que nous, en fait. Exactement le même. Mais on n'a plus l'abonnement dessus. Si ? Au pire, je prends, je vais rentrer à Fabrice. Il est à la poste caca. Tu me donneras avec la télécommande et tout? Et je me souviens plus comment il marche. Ça fait pas un an qu'on l'a utilisé. Bon, je crois. Hein. Ah ouais. On le branche pas, t'as vu. Même de suite, au pire. Branche-le. Tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Et alors? Pourquoi la Timone? Elle vient ici demain matin. Dis-lui que le plus rapide, c'est là. Je l'ai fait, moi. L'après-midi, j'avais le résultat. Elle va travailler. Ah!
Ils arrivent apparemment. Oui, on est là. Enfin, moi je suis là. Bah, Dark est là. Comme si toi tu devais tout faire. Tu dois prendre rendez-vous à ta mère à la Timone.